Dans l'affaire des tags de la mosquée de Tourcoing, deux hommes étaient présentés en comparution immédiate au tribunal de Lille. Hier, la décision est tombée à 20h30. Le premier homme écope de 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, puisqu'il avait déjà un casier judiciaire chargé. Le second a 12 mois, dont 9 avec sursis. Et au cours des débats, les deux hommes appartenant au mouvement Skinhen ainsi que leur avocat ont défendu la thèse de la soirée arrosée qui a mal tourné. On écoute un avocat. Le délibéré me convient parfaitement, il correspond à la réalité du dossier. Quand mon client, lui, écope de 6 mois ferme avec maintien en détention alors qu'on demandait 18 mois contre lui, il est bien évident que le tribunal s'est vraiment posé la question des motivations et a réduit le dossier à ce qu'il était, c'est-à-dire une soirée d'ivrogne qui a mal tourné.